Bonjour à tous, je vais vous montrer une petite astuce sur Final Fantasy VII Remake pour farmer de l'XP et surtout des PC pour augmenter les matérias vraiment très rapidement. Pour ça, on se met au chapitre 17 ou au 16 comme vous voulez pour accéder au simulateur de combat. Moi je préfère le chapitre 17 parce que le simulateur il est vraiment tout au début du chapitre. Il est accessible vraiment rapidement. Seul inconvénient, il faut se mettre en difficile pour y accéder. Ceci dit, il y a juste un seul combat à faire contre eux là. Puis vous y êtes. Et en plus, vous avez un banc qui est juste à côté aussi. Si vous voulez vous reposer, on peut y aller. À noter, si c'est votre première partie, que vous n'avez pas encore fini le jeu, vous emmerdez pas avec cette technique pour l'instant. D'abord finissez le jeu. Une fois que vous finissez le jeu, vous avez automatiquement XP x3 et PC x3. Donc voilà, d'abord finissez le jeu tranquillou et ensuite vous pourrez farmer. Ce sera nettement plus rapide. Alors pour ça, on va prendre la quête duo contre les animaux volants. Duo contre le cirque volant. Et on va se servir uniquement de barrettes. Alors on se met en facile, ça change rien. On prend barrette et Claude. Ou barrette et Tifa, ou barrette et Harris, comme vous voulez. Alors le premier combat. On se sert de la colère maximale tout le long en fait. On va se servir que de ça, on va même pas bouger. Voilà. 48 PC pour 1024 en expérience. Ensuite, le deuxième combat. Même topo. Ouais, 588, 12 PC. Oh, il en reste un, je l'ai pas vu. Hop. Et encore 12 PC et 1144 en expérience. Le troisième combat. Donc voilà, toujours la même chose, hein. Un tir, une colère maximale, et on achève le reste. Hop, voilà, encore une 35 à peu près PC. Le quatrième combat, vous le faites ou vous le faites pas. Quand on est évolué, on peut le faire, il est rapide. Quand on est un peu moins évolué, ils sont un peu plus chiants, ces aérocombattants. Et voilà, encore 30 PC, 2140. Et une fois que vous arrivez sur le cinquième combat, vous emmerdez pas avec lui, il est chiant, il est plus long. Hop, vous abandonnez, retour au menu. Et triangle, réessayer et on recommence. Donc voilà, c'est rapide, hein. Là, il y a quoi? Il y a 30, peut-être 40 secondes, grand maximum. On farme une centaine de PC. L'expérience, on doit être, je sais pas, c'est entre 7 et 8000. Donc voilà, c'est vraiment rapide, rapide. Et donc on recommence indéfiniment. Autant de fois qu'il le faut. Alors, sur la deuxième partie, ce sera principalement pour monter les PC. L'expérience, on sera déjà bien. Donc voilà, bah, je pense que vous avez compris. Hein, il suffit juste de recommencer ce combat tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Autre avantage de la technique, on a besoin de rien du tout. Sur Barrett, j'ai juste équipé de l'attaque. Voilà, attaque anticipée, c'est tout. Pour qu'il commence avec son ATB à fond.
Puis je lui ai mis aussi le foulard sifflement. Et avec Claude, bah Claude il a toutes les matérias, voilà. Donc vous pouvez blinder toutes les matérias des deux personnages, tout ce que vous avez augmenté. Bien sûr, si vous avez PC augmenté, vous la mettez. On va pas s'en priver. Et voilà, donc là avec la technique là, on monte vraiment très rapidement toutes les matérias. Surtout les matérias bah, qui sont chiantes à monter, c'est PV, PV augmenté, PM augmenté, elles sont vraiment très longues. Magie augmentée aussi. Donc voilà, c'est une bonne méthode, puis vous en aurez besoin en difficile, croyez-moi. Donc voilà, ben, écoutez, un bon jeu à vous, amusez-vous bien sur ce petit Final Fantasy VII.